Bienvenue, monsieur. Le détonateur à concussion est sur le plan de travail. N'oubliez pas, si vous l'utilisez au lieu de vos poings, vous ferez moins de dégâts sur les policiers et les employés de l'État. C'est noté. Le détonateur à concussion. La garde a été doublée dans les locaux de la police depuis la mort de l'Orbe. Vous allez devoir trouver un moyen d'entrer sans vous faire repérer. Sinon, vous n'atteindrez jamais la salle du serveur. C'est compris, merci. D'une façon ou d'une autre. Marc se fait passer un interrogatoire à ce type en ce moment. Tu veux qu'on aille le secouer un peu après ça? Bon, j'y vais bien. J'aime bien ta façon de penser. Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait quand même sans ce truc? Oh là 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 là. Allez, quand tu veux. C'est un peu long quand même, les éliminations silencieuses. Non, c'est bon. Il se retournait. Mais non, pas du tout. Genre, il me voit pas là? Oh là là. Elle est belle, la police de Gotham, mon dieu. Il s'est posé devant lui comme une fleur, quoi. Aïe 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 aïe. Bon, tu me peux sûr, c'est là qu'il fallait rentrer. Ah, c'est bon, je crois bien que oui. Ça en a l'air en tout cas. Il faut appeler l'ascenseur. Quoi ce délire? Bah enfin. Ah d'accord. Pardon, c'est ma faute. Hey, t'as entendu? Ouais, un autre tuyau a dû exploser. Je serais bien allé jeter un œil, mais tu vois, j'ai tout de ma tournée. Lob. Ça va pas être facile. Et si je veux accéder à la base de données nationale des criminels et découvrir ce qui s'est passé au Lacy Towers, il faut que je trouve la salle du serveur, sans me faire repérer. Comment ça marche à Gotham? Je veux bien être volontaire. Alors comme ça, je peux pas y rentrer. Ah, ah. Il faut pas se faire repérer. Gordon là-bas. Il y a 8 assassins en ville ce soir. D'après les infos dont on dispose, ils font partie des criminels. Mais... ouais, ils étaient sans. Devez-vous être si brutal, monsieur? Ce sont des employés municipaux. Ils sont tous corrompus et ils me bloquent la route. J'aimerais que vous réfléchissiez à cette approche, monsieur. Vous ignorez quand vous pourriez avoir besoin de leur aide. Quoi qu'il en soit, votre objectif est la salle du serveur du GCPD. Je l'ai indiqué sur votre carte. Putain, je déteste les clodos. Ouais. Dans la mâchoire. Delta 6 en ligne 7. Oh putain, j'aimerais tellement leur péter les dents à ceux-là. Oh, je le fais. À l'attaque. Boum. Voilà. Voilà ce qu'ils vous disent, les clodos, bande d'andouilles. Ah, il me faut du jus. Je ne pourrais pas ouvrir des portes comme ça avec mon séquenceur cryptographique. Je dois trouver un autre moyen. Ah, mais genre, là aussi c'est fermé?
veux bien, mais où est-ce qu'il y a... Il y a rien pour l'électricité. Ah ah! Il est passé autre part, en effet. Je n'ai aucune chance contre tous ces hommes armés. Je peux utiliser la griffe de Deathstroke à distance, pour passer au-dessus de leur tête sans me faire voir. D'accord, écoute-moi. Pendant que vous jouiez les nettoyeurs à Blackgate, j'étais en train de nous faire de l'argent. J'ai conclu un marché avec notre pote Black Mask. Si l'un de nous peut tuer Batman avant que ses assassins l'atteignent, on aura la prime. 50 millions de dollars. Pour ceux d'entre vous qui sont pas très doués en maths, ça veut dire retraite anticipée. Cool. Ça fait une jolie somme. Alors on va lui faire la peau. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend? Ça suffit. On n'a qu'une seule nuit pour agir. Alors, il faut que j'élimine ce garde discrètement pour pouvoir avancer. Oui, chef. On va le traiter comme n'importe quelle ordure. Pas de saloperie sur lui, on en fabrique. Et si le capitaine Gordon autorisait les détenus des cellules à se balader? Tu veux dire qu'on doit les libérer? Une petite émeute carcérale, ici, au GCP. C'est Batman! Hop là. Appel à toutes les unités. On accepte des dons et des cartes pour la famille du commissaire Lorb dans la salle de repos. Je saurais pas dire où il faut que j'aille en fait là. J'ai envie d'aller plus par là. Salle d'interrogation. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire exactement ton brouilleur? Un peu de ceci, un peu de cela. Mais la plupart du temps, ce qu'il fait, ça n'est franchement pas tes oignons. Oh, c'est comme ça que tu le prends. D'accord. J'ai peut-être demandé au type qui bosse au scellé d'y jeter un coup d'œil. Mais ils peuvent être un peu brutaux. J'espère qu'il n'est pas fragile. Tu veux compliquer les choses, papa, encore toi. Ça va, mon grand? Parle, ou tu ne pourras bientôt plus marcher. Jamais. Ah! Tu vas devoir expliquer pourquoi tu m'as balancé de ce toit, vieux. Non, c'est toi qui vas devoir t'expliquer. Comment marche ce brouilleur? Demande à un des poulets! Il est dans le local décelé! Et si on allait faire une petite balade sur le toit? D'accord! D'accord, t'as gagné! Il brouille les armes et il ouvre les verrous électroniques, d'accord? Bon, tu vas me lâcher, hein? J'hésite encore à te lâcher, mon cher. Oh! Eh ben voilà! Je savais bien que la voix me disait quelque chose. Ça a activé quoi, ce truc? Ah! Voilà. Bah attends, non, pardon, oui, c'est par là qu'il faut aller. Ah non. Ou alors il faut que je fasse le tour. Bon. Là, attends, mais... Commencez par toi. Allez, bonne. Faites-vous. Vous êtes corrompus. J'adore tellement quand tu fais ça. On va les choper. Voilà, c'était lui que je voulais éliminer surtout. Alors, c'est tout.
Voilà. Alerte de niveau 1. Attention à tout le personnel. 2, 1, 1. Dites non à la drogue. Pardon. Alors du coup... Quoi, intrus dans le bâtiment? Mais c'est pas vrai, mentez. J'arrive pas à savoir s'il faut que je shoote le camp ou si c'est bon en fait. Oui, c'est bon, c'est bien par là. Ça a l'air en tout cas. Est-ce que tu m'entends ou quoi? Je me fiche de tout ce qui se passe. Il faut que je m'occupe de ce problème. Si je donne pas ce qu'il veut à cette ordure, il enverra la cassette à la presse. Qu'est-ce que je suis censé faire? C'est ce que t'as de mieux? Comment je peux le buter si je sais pas à quoi il ressemble? Allez, t'en as trop dit. Voilà. Je peux le buter si je sais pas à quoi il ressemble. Putain, ça bosse flic ça. C'est un criminel de la pire espèce. Par exemple, de celles qui pensent que ses actions sont justifiées et qui agit complètement en dehors du système. Tu vois pas, le système est fichu. Barbara, attends. Ah. Madame Gordon, je présume. Barbara, qui deviendra un jour Batgirl et Oracle. Faudrait que je m'intéresse un jour, faudrait que je me fasse les BD du New 52 là. Voilà, hyper intéressant. Hop là. Le suspect est dans votre secteur les gars, ouvrez l'œil. Si vous réussissez, on prendra tous notre retraite sous les palmiers. Il faut me laisser 5 minutes avec ces tarés et je leur ferai regretter d'être né. Dit-il. Ça fait longtemps que j'ai pas loupé Noël. Agent à terre! Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Tu fais, tu vas où? Ah, évidemment! Voilà notre cible! Je le poursuis! Ah, ils ont un truc de détecteur. Ok. Ils ont un truc de détecteur. La phrase ne veut rien dire. C'est pas vrai. Je dois déconner. C'est chez nous ici. Peut-être. Ça n'empêchera pas de vous foutre une dégelée. Passe, bordel! Je l'ai vu! Oh, vraiment, il s'est retourné au pire des moments, quoi! Comme par hasard quand j'allais la voir. J'ai réussi à t'échapper! Ah merde! Non, tu m'as pas vu, c'est pas vrai! Non! Vous êtes gentil! Pas méchant, c'est pas. Qu'est-ce que tu fous? Mais je t'ai pas dit de grimper! Ce personnage. C'est notre homme. Mais non, c'est pas vrai, tu mens. Voilà. Ah, au maximum. Oui, c'est une cape. Merci de le faire remarquer. C'est une blague. Il a des ailes. Vous foutez de moi. C'est vraiment pour ça que j'ai fait mes études dans la police. Officier de paix. Et agent de la paix avant tout. Tu devrais pas chercher dans ton secteur? Je vais laisser ça pour les gars du SWAT. Pourquoi ça? T'as pas entendu? Brandon a fait un deal avec Black Mask.
Ils essaient de tuer Batman pour récupérer la prime. Tu te moques de moi ou quoi? Gordon est au courant de ça? Sûrement, mais qu'est-ce qu'il peut faire, à ton avis? Ce serait déjà un miracle que Brandon et ses types l'écoutent un jour. Ce service est vraiment pourri. Comment on fait pour avoir la prime? Ah! Dégonflé, hein. Alerte de niveau 1. À tout le personnel, contactez votre responsable de service. Comptage nécessaire, il manque beaucoup de monde. Ah, trop le G, voilà. Ils utilisent un protocole de sécurité que je ne connais pas bien. Et les fenêtres sont en verre blindé. Le brouilleur dans le local décellé pourrait faire l'affaire. Bonjour messieurs. Le voilà ! Mais non, c'est pas vrai. Voilà. Alfred, impossible d'accéder au local décellé. Je dois trouver un autre chemin. Le local décellé, monsieur? Eh bien, selon ses plans, il se trouve à côté d'une vieille cage d'ascenseur à laquelle on accède via l'infirmerie. Vous devriez pouvoir entrer par là-bas. Je l'ai indiqué sur votre carte. Faire tout le grand tour juste pour à accéder à ça. On signale notre 622 aux étages inférieurs. Il faut des équipes de sécurité dans ce secteur immédiatement. Ah, bonjour messieurs. Comme si Gordon avait perdu le contrôle. Il nous faut une bonne vieille émeute carcérale. Vous voulez une émeute? Laissez-moi sortir. Hé, hey, Toutou, il y a des pompiers dans ta tête. Oh mais vraiment, j'ai appuyé sur le... Oh. Pas de pistolet. Mais il paraît que ta tête est mise à prix. T'es venu la livrer toi-même? Lui, il travaille avec les flics maintenant. Il a de la chance qu'il y ait des barreaux entre nous. Où je lui ferai du mal. J'avais entendu des rumeurs, mais je pensais que c'était des... Comment je fais du coup? Oh, merde! Enfin, attends, je peux ouvrir la porte? Ah d'accord, il fallait appuyer sur le bouton. Ok. Ok, je suis tellement habitué à faire totalement autre chose que ça me semble surréaliste. Parfait! Vous avez atteint l'infirmerie. Maintenant, cherchez l'entrée d'une vieille cage d'ascenseur. Cela vous conduira au local décellé. C'est bon. Ouais, non. Voilà. Hop. Et quand... Allô? Ah. C'est 8. Voilà. Le brouilleur.
Je devrais pouvoir contourner la sécurité sur la porte de la salle du serveur. Ah, les gens se sont libérés, apparemment. Le brouilleur devrait me permettre de franchir cette porte. Ils vont nous laisser sortir, ou on sortira par nos propres moyens. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est pas un Noël si pourri, finalement. Ils vont devoir nous libérer, maintenant. On a pris des otages. Bordel, où sont passés les autres poulets? Quelqu'un s'est forcé de verrou. Là, je me suis barré, mais seulement 5 minutes, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi, bordel? Avec une batte de baseball à la main, quoi. Pulvérisez-le. Oh, c'est lourd. Allez, défoncez-le. Genre. Notre 622 est confirmé dans okay. Cellule. Mais il paraît aussi que... L'émeute a cessé. Envoyez une équipe là-bas pour vérifier. L'émeute a cessé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les adore. Oh mes flics, bon dieu. Aïe 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 aïe. Il faut une prime à cette dame, j'insiste. Alors, du coup, nous comment, comment, pourquoi, où? Ah, je crois que c'était ça la bonne route. Je sors, c'est bon, on dégage. Le 622 a quitté les cellules. Hey, j'ai un pouls. C'est bon, ça suffit comme ça, on l'emmène à l'hôpital de Gotham. D'accord, dès qu'il sera stabilisé. Wanted, c'est qui celui-là? Pitié, on ne veut pas d'ennui. Je ne vous veux aucun mal. Puis qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant, mais apparemment je me suis trompé. Oh, et bah du coup on repart. On a notre brouilleur, ça nous va. À tous, indiquez votre situation sur le canal 3. Je compte les effectifs pour voir qui manque. Ah oui, j'avais oublié ça. Et voilà. Doucement. Je dois accéder à la base de données nationale des criminels. Elle est juste là. Vous devez passer beaucoup de temps ici. Chouette, Matos. Vous contournez la sécurité du réseau. Mais vous allez devoir raccorder physiquement l'intranet au câble de communication externe pour vous connecter. Ce
genre de connaissances pourrait poser des problèmes à une jeune fille. Il passe sous le bâtiment. Qui ça? Les câbles de communication. On y accède via les égouts. Attendez. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Parce que j'ai fait une promesse. Ne tirez pas! Bande d'idiots, c'est moi! Qu'est-ce qui vous prend? À qui vous parliez là-dedans? Qu'est-ce que j'en sais, bande d'idiots? Vous trouvez que j'ai l'air d'une informaticienne? Ah, lol! Il débarque justement! Alfred, je suis en train de sortir. Mais avant d'accéder au serveur à distance, je dois pirater les câbles de communication sous le GCPD. Vous devriez pouvoir y accéder depuis les égouts qui passent sous le bâtiment. J'indique l'entrée la plus proche sur votre carte. Chef, pareil. L'homme du pingouin indique que le brouilleur pouvait dérégler leurs armes. On est entraînés. Attention! Et voilà. On va pas prendre de bouclier, monsieur. On ne prend pas le bouclier ni les armes, monsieur. Tu aurais pu faire plus simple. C'est ma faute. Je dis, on prend pas les armes. Non, mais... Oh là 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 là. Bon. Encore niveau supérieur, décidément. Le combo spécial nuée de chauve-souris, c'est très bien. Mais c'est pas le toit, il faut que j'aille, c'est aux égouts. Bon, c'est pas grave. Pourquoi je peux pas activer la vue ni rien là, ça m'inquiète. Il y a pas ce qu'il y avait. Je ne veux pas vous blesser. Vous devez vous écarter de mon chemin. Jamais. Écoutez, je suis de votre côté. De mon côté. De mon côté, on n'en fera pas la loi. De mon côté, on n'a pas le droit de briser les os et les dents de nos suspects. On a gagné le respect de Gotham. Si c'était vrai, je ne serais pas là. Gordon, sortez de la ligne de tir! Ne tirez pas. S'il bouge, descendez-le. Vous n'avez nulle part où aller.